Ah, ça marchait pas, ça. C'est bizarre. Voilà. Donc, normalement, c'est mieux. Tiens. Alors, on est jeudi 31 janvier 2019. 13h57 en France. Donc, 12h57 UTC. J'espère que vous allez bien. Ça fait un certain temps que j'ai pas fait des vidéos. Et on est là pour parler des tremblements de terre, enfin pour parler, jeter un œil sur ce qui se passe. Alors on va commencer avec, ce matin j'avais fait une vidéo, mais j'ai un souci technique, j'avais pas vu que mon micro déconnait, donc j'ai perdu une demi-heure, c'est pas grave, on refait ça. Alors on avait commencé avec Mexico et Ah, ils ont disparu. Et ils réapparaissent. Voilà, on est sur 3 jours. Alors, vous me demanderez pourquoi Mexico encore? Bah, parce que là, bon, il reste plus que 2 aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Donc là, même secousse, 2.1, le 29 janvier. Et là, on a 2.7 le 29 janvier, donc 8h44 UTC, et pour la première, 7h28. Alors que là, bon, il y avait une troisième, hein. Elle est cachée là. Voilà. Donc là, 2.1, 2.7, et celle-ci, c'est 2.8 le 28 janvier. Alors vous me demanderez, mais pourquoi celui-là? Et bien ici, c'est le Popoca, peuple. Donc le volcan, la vol d'oiseau, 70 km de la Ciudad de Mexico, la capitale du Mexique. Hein. Donc voilà. Alors Mexico, on va tout de suite aller voir qu'est-ce qu'il nous raconte, le petit volcan. Donc ce matin, on avait à peu près ça. Ça va pas bouger. Bon alors Chile louche, 15 000 pieds, le Popocatépetl. Alors une activité continue, une activité explosive. Et lui, il s'envoie un nuage de cendres à 19 000 pieds, 5 800 mètres. Et donc on est à 70 km de la capitale, de Mexico. Bon bah le Fuego, pareil, ça continue, mais c'est 15 000 pieds. Le Pérou avec sa bonne Kaya qui pourra mettre 10 émissions volcanique H sans plus et le Chili, donc Amérique du Sud. Ok, on va revenir sur les tremblements de terre. Portugal là, tiens. Bon alors tiens, Portugal, c'est bien. On va enchaîner. Donc là, hein, Ciudad de Mexico, donc là, Popocatépetl, des secousses. Hein. Et ça s'est arrivé donc le 28-29, et il nous a fait des petites. Des pouf, hein, le 30-31 janvier. Ok. Donc Mexico, c'est bon. Alors la Californie, ça bouge. Hein. De belles secousses. Belle petite secousse. L'Islande. L'Islande. Qu'est-ce qu'il nous dit? 3.4. Ah, il a été relevé. Ce matin, il était annoncé à 3. Il a été relevé à 3.4. Donc moi, ça ne m'étonne guère. Puisque je pense que l'Islande devrait avoir pas mal de secousses comparable à ce qui a pu se passer aux Açores. Donc le 3.4 il est en dessous. Ok, donc là la semaine dernière il y avait des 3, 3, 3, 2, qui s'en remonte à 3. Quelques-uns c'est bon, 1, 2, 3, 4. Donc oui, les Açores. Et les Açores, c'était la journée du 27. Et la journée du 27 était assez particulière parce que on
l'espace de quelques heures. Ça débute à 15h24, ça se termine à 18h51. Voilà une belle petite séquence, 3h30, et il y a 18 secousses dans cette région là, et 17 ici. Ici, c'est un branchement de trois plaques. Ça, c'était le 27. Quasiment toutes supérieures à 3, inférieures à 4. Donc là, alors on continue avec la République dominicaine parce que ça a été touché. Donc là, les Açores, et la République dominicaine, c'était touché ici. Et le détroit de Gibraltar aussi. Maroc et le détroit de Gibraltar et le sud de l'Espagne. Le Maroc, il y a des témoignages sur ESC et les secousses n'apparaissent pas. Alors ils te disent merci de télécharger l'application, merci de témoigner. Puis quand tu témoignes, ça n'apparaît pas puisqu'il ne référence pas la secousse. Donc franchement, les gars, c'est pitoyable. Sincèrement. Alors la République dominicaine, donc on a eu quelque chose donné. On va, je sais que c'est ça et ça, on va checker, et c'est bien ça, donc République dominicaine. Alors la journée du 30. Un, deux, trois, quatre, cinq, quatre, vingt-cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf. Donc c'est à peu près comparable en nombre et en intensité. C'est ce qui s'est passé aux Açores 3 jours auparavant. C'est pour ça que je parle de l'Islande. C'est pas impossible qu'il y ait de belles secousses comme ça. Donc là, République dominicaine, la Guadeloupe, Porto Rico, Martinique, Sainte-Lucie, etc., etc. Donc ça, c'est du côté Atlantique. Donc, du côté Pacifique, Panama. Nicaragua, c'est pas beaucoup mieux. Alors, Mexique. Donc, Portugal, 3.4. La mer Morte. Suisse. En France, là, on a eu une belle secousse. Enfin, belle. Façon de parler. Avec un 2.9 en pleine terre. Au sud-ouest de Paris. Ça, Paris, j'adore. Pas fichu de régler ce problème. Ah, donc là, Paris, il y a le West. Oh, c'est le jeu, Macron. Oh, c'est pas gentil. Oh, il est pas gentil, Macron, ça. Mais malheureusement, je crois qu'il y a pire. Donc là, la secousse 2.9. Validé. Ok. Beaucoup de tirs de carrière. Donc l'explosion, hein, j'ai demandé. C'était pas pour celle-ci d'ailleurs. Je crois que c'était pour celle-là, tout d'un coup. Alors j'ai demandé. Et il n'y a pas de réponse. Et il m'ignore totalement sur Twitter. Franchement, je suis dégoûté d'avoir fait un compte Twitter. J'ai pas fait le jeu. Et les agences ne prennent pas la peine de répondre. Je m'en doutais un peu, c'est pas grave. Je persiste. Ouais. À les questionner. Alors qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Alors tiens, c'est marrant parce que ce matin je faisais la vidéo et Mayotte, BRGM n'avait pas fait de mise à jour. Et là, étrangement, ils le font.
lequel parce qu'on est le dernier jour du mois de janvier. Donc oui, il y a eu des secousses à Mayotte. Oui, on va aller bien. Ah, d'habitude, ça fait pas comme ça. Alors, nous avons dénombré depuis notre dernier point de situation, le 10 janvier, 98 secousses de magnitude supérieure ou égale à 3.5, soit en moyenne 5 par jour. Donc 13 séismes de magnitude supérieure ou égale à 4. Depuis novembre 2018, nous pouvons constater que le niveau d'activité sismique est stable et constant en intensité et nombre de développements. A noter qu'un séisme a également été détecté 80 km au nord-ouest de Mamoudzou le 29 janvier. 13 séismes sur la période ont donc présenté une magnitude supérieure à 4, dont 2 détectés par l'USGS. Mais nous dénombrons également 22 séismes d'une magnitude légèrement inférieure à ce seuil, autour de 3.8-3.9. Donc là, le petit tableau, blablabla. Alors, il te parle de 225 séismes, donc depuis quand? Le 10 janvier. Non, purée. Ça ne m'étonne pas. Donc là, il s'est passé un truc quand même, au mois de mai, mai, juin. Et étrangement, ça correspond aussi avec ce qui s'est passé à Hawaï. Alors, en date du 30 janvier. Total de séismes supérieurs à 3.5, 1549, c'est pas mal, dont supérieur à 4, 425, 115 supérieur à 4,5, 25 supérieur à 5, et 1 supérieur à 5.5. Ok, et donc là c'est la force qui a été lâchée. Ils expliquent que si tout avait été lâché d'un coup, ça aurait fait une secousse équivalente à un 6.2. Je l'avais lu quelque part sur leur site. Hein. Bon, bref. Bon, bien joué les gars. Chapeau l'artiste. Merci pour la communication. Alors, on avait parlé ce matin. Il y a eu un truc étrange. Mais comme par hasard, je l'ai fermé. Flûte. N'est-ce pas, tant pis. On verra ça plus tard. Je garderai pour la prochaine. Ah oui, donc les Açores. J'en reviens à ça. Parce que ça nous concerne. Nous. Les Européens. Donc là, il y a Furnace et c'est un petit volcan ici, Furnace. Donc c'est par ici. Là. Et là, donc là, toutes les secousses qu'il y a eu, tout à et ici, il y a le volcan. Donc si tu ne crois pas, tu peux vérifier. Voilà. Donc là c'était assez particulier, cette séquence. Ok, bon ben, je crois que c'est bon pour aujourd'hui, hein. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. J'avais parlé des Fidji, avec pas mal de secousses, ça revient. Fidji, et puis surtout, bon, toujours très profonde, à part une qui était à 380 km. Mais bon, les îles Fidji, le Fidji c'est là où toute la force de la Terre, les plaques, elle émerge. Et c'est propagé ensuite donc au Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Papouasie, Indonésie, etc. etc. Donc, qu'est-ce que j'avais soulevé comme autre point ce matin? Je ne me rappelle plus. Attention, donc Mexico, ouais. Et
suis désolé. Tu es un peu déboussolé là, j'ai des trucs dans ma vie, hein, comme tout le monde. La Suisse moins un, bon. Pose la question. Alors on va faire un petit retour dans le temps. Ouais. Doc. Parti. Alors l'Islande. Ah bah j'avais pas rêvé, il y en a un qui est annoncé à 3.0. Bah alors. Volcano Islands au Japon. Mm-hmm. Donc là on a Islande avec 3.0 et 9.42. D'accord. Je suis bourré ou quoi? C'est pas possible. Bah non, ça a changé. Non, purée, c'est pas vrai. Ils sont passés de... Ils ont changé chacun. Ils ont interverti les valeurs. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, flûte. Attendez là. Attends. 1h42. 1h42. Alors ce matin, lui, il a annoncé 3.0. Et lui, il a annoncé 3.4. À 1h42. Oui. 1h42. Donc lui, il a annoncé 3.4. Et lui, 3.0. D'accord. Donc il me semblait tout à l'heure qu'il avait rectifié. Et là, donc lui, il a changé. Et donc en fait, oui, effectivement, ils sont intervertis les données. Ils ont fait un jeu de passe-passe. J'hallucine. J'aurais pas dû effacer ma vidéo. J'ai poubellisé ce matin. Mince. J'aurais dû la garder. Mince, c'est un délire total. Ah oui, alors surtout que les secousses donc, au pied du Popocatépetl n'ont pas été référencées sur les sites de l'ANSC. Hein. C'est pas mal. 2.1, 2.7, 2.8 au pied du volcan. Et elles ont été purement et simplement omises. C'est sympathique. Donc si tu ne crois pas, tu fous, hein, tu regardes, hein, tu prends le temps comme ça, si t'es curieux, si t'es ennuyé, hein. Après tu fais ce que tu veux, t'es grand. Hein. Moi je sais que ce que je dis par rapport à ça, là, moi je me bourre pas. Hein, tu regardes, tu définis tes critères sur la journée du 28 ou du 20 et du 29, tu regardes le Mexique et ils n'apparaissent pas. Les secousses, le pied du Popocatépetl, la position géographique est 19 degrés de latitude nord et c'est combien de 19. Attends, voilà, 19 98 00 98 60. Là c'est ça, 19 98 60, 19 latitude nord, 98 60 ouest. Oui, c'est... Ouais, Popocatépetl, voilà. Donc, bah, de toute façon, je suis con parce que les données géographiques, les coordonnées par la géographie, elles vont apparaître quelque part. Voilà. 19.02.98.62. Donc, 19.98.60. Donc, tu regardes. Ok, ici. Alors,
Vas-y, vas-y, check. Vas-y, vas-y. Alors, 19 00 98 19 00. Non, ça ne correspond pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Bonsoir. Donc voilà, c'est hallucinant. Purée, je le crois pas. Ah là, j'ai halluciné. T'es pas sérieux quand même là. Là-bas. 29 janvier, 7h28, UTC, 18h97. 29 janvier, 7h28. Ah, tu peux t'asseoir dessus, hein, tu vois. Et oui, 8h44. Ouais, franchement c'est sympa, merci MSC. Et après te disent télécharger notre application pour savoir quoi faire, comment il se couche. Merci les gars. J'aurais plutôt tendance à croire sur ce coup l'agence mexicaine. Plutôt tendance à les faire confiance eux concernant ce qui se passe. D'autant que c'est Masbrock, ce que j'ai envie maintenant d'être grossier, nous prennent pour des connards. Et ben ouais, je vais aussi les prendre pour des connards. Donc on va prendre Wok Chaka, c'est bien ça. Et quand tu vois leurs sources, parce qu'ils dépendent des sources, d'ailleurs c'est deux fois le même. Donc ils te citent hein, cette agence. D'accord. Et cette agence nous indique que le 29 janvier 2019 à 7h28 UTC, secousse 2.1, le même jour 8h44, 2.7, donc au pied du Popocatépetl. Et la veille, le 28 janvier, une secousse ici, 2.8. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Merci les gars. Continuer comme ça. Franchement, bravo. Mais après, ils vont pleurer que... un peu le bordel. J'ai un souci dans mon micro encore. J'espère que ça a fonctionné. Bon allez, je vous laisse. J'espère que vous allez bien et faites attention à vous. À très vite. Merci pour les nouveaux auditeurs et partagez si vous voulez. Merci à vous.